Eh bonjour à tous les Rocket, amis, j'espère que t'as vous allez réfléchi bien. On à se un endroit où on retrouve pourrait sur enfermer notre Phineas Let's quand on l'aura Play attrapé? des Me suis Gardiens dit de qu'on la pourrait le Galaxie. mettre dans ta chambre. C'est la Y a pas deuxième grand-chose vidéo, qui donc on craint est à notre là-dedans, toute première contrairement à la mission. tienne, qui a déjà l'air d'avoir été dévastée par un Donc on a monstre. déjà posé deux Non mais c'est mon récepteurs propre là. site. Les choses sont là où elles On doivent devait trouver une être. batterie à la fin de la première vidéo. On a fait une petite baston contre des gens de petites boules piquantes là. C'était super sympa, donc voilà, je découvre le jeu, hein. Les amis, je le connais pas du tout. Donc on va continuer tout simplement. Écoutez les amis, pour les nouveaux venus sur la chaîne, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour avoir les dernières sorties pour cette vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire. Faites-la tourner autant que vous voulez. Et on va essayer d'avancer encore dans cette aventure. Tu me diras, au moins ils m'ont fiché la paix. Du coup je suis passé là, je savais même pas si c'était là en premier qu'il fallait passer. Apparemment oui. C'est vrai qu'il y a deux trois endroits qui sont dirigés où en fait wow. On se baisse automatiquement, etc. C'est un chouette gameplay, hein. Après c'est pas plus mal des fois. C'est une Les mouvements vie. Sont plus fluides. Mais il aurait eu sa place dans les étoiles. C'est même pas la plus grosse. Ils ont pondu au moins 5 modèles expérimentaux deux fois plus grands. Plus une dizaine de méga sentinelles prototypes. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'était des expériences sur le demi-monde, comme moi. La plupart de mes pièces provenaient du hangar cybernétique d'à côté. Du coup, j'avais un aperçu oh, de super, leur il en a un. On avance sur Vous moi. Voyez les super. Pièces entrer et sortir depuis ma cage. Je voulais pas rouvrir de vieilles plaies. Non. Donc là, c'est carrément un Transformers géant, quoi. Avec tous ces engins cris, je me demande où est-ce que je serais aujourd'hui si ces dégénérés bleuâtres m'avaient gardé enfermé dans leur laboratoire sur le demi-monde. Je s'appelle Oups. C'est bon, on revient là. Vous seriez en train de grimper sur des morceaux de moi en ce moment. J'espère que j'ai rien loupé. C'est dommage parce que j'oublie complètement qu'on a fait un duel avec notre ami Rocket. Donc il a 3 points, j'ai 2 points. Hey. Ça change rien. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir un nom de famille comme Drax? Les Catassiens n'ont pas besoin de nom de famille. Si on disait le Destructeur, hein? C'est un surnom en mémoire okay. des Ok, allez, on arrête les bêtises. J'ai honteusement massacré durant une période de rage meurtrier. Pour les savants foutris les plus allumés, j'étais même pas une personne. Plutôt un genre de flingue sur pattes. Un flingue à la langue bien pendue. Ils ont voulu régler ça plusieurs fois. Voilà. Le problème, c'était le complexe entier. Moi, j'aurais voulu retourner tout faire sauter là-bas avant la fin de la guerre. Ouais, ah, ça aurait été le coup de grâce. Ah, même pas en rêve. Alors. On va aller explorer. Donc là. Non. Will, je t'entends scanner. Quel passage là qu'on a dégagé. Admire le travail, Rocket. T'inquiète, il faut encore passer aux choses sérieuses. Voilà, on récupère des petits items. Ça me plaît. C'est les choses que j'ai reproché beaucoup à... au dernier jeu que j'ai fait, Star Wars. Jeu d'action aventure. J'ai quand même aimé le jeu, hein, je veux pas. Mais c'est vrai que j'ai reproché qu'il n'y avait pas assez d'items pour moi en fait. J'étais tellement habitué à ramasser plein de choses dans les jeux. Que là, c'était vraiment peu en fait. Ah, est-ce qu'il faut pas qu'on demande à notre ami Groot de nous faire un pont?
Tu peux faire un pont à travers l'œil de notre camarade? Je s'appelle Groot. Maintenant, je veux te voir faire la même chose en plein combat. Attends. Hé, hey, ce serait pas... Oh, j'ai gagné mon pari, Quill! Je triche un peu du coup, mais... On verra bien. On est dans la tête d'un robot géant. Et moi, j'ai des pièces de robot dans ma tête. Tu as des pièces de robot dans ta tête? Dans la tête géante d'un robot? C'est vraiment super profond. Hey Groot, qu'est-ce qu'on fera quand j'aurai gagné ce pari? Je s'appelle Groot. Ouais, je veux dire, avec les unités qu'il me donnera après ma victoire. Bah t'es un peu en retard, Coco. Ne le félicite pas! Ça y est, je sais ce que je vais faire avec tous mes gains. J'économise pour notre prochaine halte sur Contraxia. Super. Et je me fais un bon massage xéronien. Oh, mais t'es tellement féminin. Exactement! T'es nul, Startiflette! Startiflette! Voyons voir, quand j'aurai battu Quill, j'ai trouvé un nid! C'est peut-être le carré VIP des parasites! Je s'appelle Groot? Je me suis jamais autant éclaté! Ah d'accord, donc c'est. Sans commentaire. On essaie de reprendre de la hauteur. En même temps, on check. Ah, il était juteux celui-là. Que t'en dis, Drax? On participe à ce pari, nous aussi? Pense à tous les hyper-circuits qu'on pourrait se payer. T'es en train de te moquer de moi? Je ne souhaite pas acheter d'hyper-circuits. Clissons là, ok. On a peut-être loupé quelque chose. Alors, votre pari, comment ça se passe? Que ce soit clair, je déclare l'inéligibilité de la team verte à ce pari. Pourquoi? Bah déjà, il te faut un flingue. Je n'ai nul besoin d'une arme à projectile. Ok. J'ai quasiment 10 d'avance. J'entends que ça bouge. Je me demande combien de carcasses de robots géants on trouve. Ah oui. Si on fouillait toute la zone. Si j'avais eu le droit de participer, je crois que j'aurais dépensé mes gains dans un dîner au Teco. Pour ça, il faudra d'abord que tu me battes. Le Teco? Attends, c'est pas ce restaurant prout-prout sur Vega? J'en ai marre des racines de Yarrow. Imagine, ton vaisseau se fait attaquer par ce genre de truc. À son échelle, t'es qu'un insecte. J'espère que je fais pas ça pour rien. Un peu comme des mouches bleues. Et toi alors, Drax? Tu ferais quoi si t'arrivais à battre mon score? Spéculation absurde. Le rongeur m'a interdit de participer. Et voilà, un seul concurrent, ça me suffit. Hein. Oui, laissez double pistolet à eau. D'accord. Je s'appelle Groot. Non, on peut pas ramener le robot géant avec nous. Et crois-moi, ça me fait de la peine de dire ça. Il trouve où? Tu sais quoi, Quill? Je crois que c'est pas juste. T'as deux flingues? Et moi j'en ai qu'un seul! J'estime que mes points devraient compter double à partir de maintenant! C'est de la triche! Ok, le pulsateur vient ici, Quill!
Amélioration disponible. Le pulsateur va pas s'installer tout seul. Et quelles améliorations? Non. Ça va pas énerver toutes les bestioles du coin. Hein? Désolé, Quill, je peux pas prendre de risque après la dernière fois, faut le tester rapidement, on n'a pas le choix. Ah, pas encore. Bah si. Ok. Ouah, j'ai juste allumé, éteint pour voir si ça marchait. Ouais, t'as qu'à leur expliquer. Ça, c'est le ménage façon roquette. C'est lent. N'hésitez surtout pas en occuper, hein. C'est quoi ça? Ouais. Arrête ton inventaire, tire de fiche. C'est très utile, merci. Y'a pas de quoi maintenant, arrête de me déconcentrer. Ah là, on peut pas shooter. Y'a pas de vie. Sûrement pas. C'est moi qui en ai une truc. Tu me remercieras plus tard, mon dîner. Je savais que... Je crois pas, mon pote. C'est qu'un verre très pané. Oh non. Dégoûté. J'ai fait n'importe quoi. Ok. J'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est des choses qui arrivent. Quand on découvre le jeu, voilà. Première défaite, et je suis en normal. Mais c'est vrai que l'arme, elle a pas l'air... J'aimerais bien pouvoir la développer, mais je sais pas comment. Faut que j'arrive à trouver. Parce que j'ai des améliorations disponibles en plus. Donc on va essayer de trouver ça. Parce que ça m'agace. Allez, c'est un peu long quand même, les chargements. C'est un peu longué. Un peu beaucoup longué. Voilà. Ah, est-ce qu'on peut... tenue. Non, capacité. Non. Équipement. Il n'y a pas... Non. Faction, créature, archi, objet, lieu. Non, bah, y a pas d'équipement. Ok, j'ai pas vu ça. Voilà. Et un œil flippant en moins.
Voilà, c'est le temps de s'habituer au gameplay, c'est tout. Oui, attention ! Non, sans recharge, ok. C'est excellent l'esprit d'équipe là, la cohésion. Allez, Groot. Voilà. Voilà. T'en es quoi ça? Ça me coince? Arrête! Tu peux pas t'attribuer des points comme ça! Ok. Installer nos pulsateurs, nous! Bien joué! Alors. Maintenez enfoncé. Rendez-vous au vaisseau extracteur. Peut-être que les améliorations se font au vaisseau. Peut-être pour ça que je ne trouvais pas. Toute cette puissance de feu réduite en pièces détachées. Je s'appelle Groot. Ouais, désolé mon grand. Désolé pourquoi? Le peuple de Groot n'a même pas eu la chance de se battre. Toute sa planète s'est fait cramer au début de la guerre. Allez. 30 à 27, là c'est plus drôle. Par contre, là c'est plus drôle du tout parce que je vais perdre. Ok, le vaisseau extracteur est juste là. Je s'appelle Groot. Bien sûr que c'est solide. Aussi solide que n'importe quelle épave d'un vaisseau chitoré. Y a pas des petits des petites vermines là que je puisse gagner de des points? Arrête de dire truc gluant aussi, c'est de la nanorésine. Je s'appelle Groot. Y a pas d'autre passage, c'est une ligne droite. Arrête ta parano. Allez Groot, fais-nous un petit pont. Oh, stop, allez, Groot. On doit aller de l'autre côté. Et merci, Groot. Ne pas courir de danger, si. Merci, copain. Mais ouais, je serai toujours là pour toi, mon grand. En tout cas, je kiffe. Hein. Non, je kiffe vraiment le jeu. Juste que ça a l'air instable, comme tout le reste. Je prends pas le oula, 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 oula. J'entends des bruits bizarres. Oh, il y a des copains là-bas. Mais ouais, cette résine peut maintenir un vaisseau de pierre à la noix. Mais ça craint rien, tu peux me croire. Donc on va se casser, sûr on va, prouver, sûr, on va tomber. Roquette. C'était sûr. Allez, on saute. Excellent. Ah Groot, vieille branche, tu vas bien? Je s'appelle Groot. Ah ouais. Tête de mule de morceaux de bois flotté moisi, t'aurais pu mourir en me sauvant. Je s'appelle Groot. Excellent, c'est trop bien. Ouais, moi aussi je t'aime, espèce de racine consanguine. Allez Quill, il nous retrouve au vaisseau extracteur, je veux pas le faire attendre. Par contre, quoi, c'est tout ? Il est point là. On va pas le chercher ? Bon, d'accord. Va. On le retrouvera plus tard. Team Rocket, est-ce que tout va bien ? On vient de perdre le signal de Groot. Ah, il a dû péter sa radio en tombant. Qu'est-il arrivé à ton ami, le tas de bois ? C'est pas un tas de bois, il est vivant. Du bois vivant. J'arrive pas à savoir si c'est un génie. J'ai pas le temps. Team Rocket, terminé. J'entends le bruit de ta visière. T'as pas intérêt à tricher pendant le pari, Quill. Comment t'arrives à entendre ? Bon, la team verte va nous laisser tranquille. On peut arrêter de s'en faire pour cet accident idiot. Et puis Groot va bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Bah c'est pas grave, tu l'as dit, Groot va bien. Du coup, pas de problème. Exactement, tout va bien. Voilà, voilà, super. Ah.
Gamora, c'est vrai que t'as taillé en tranches la reine des Chitauri ? Où t'as entendu ça ? Quelque part. Je l'ai pas tuée, je l'ai kidnappée. C'était toi ? Les cohortes de Nova ont toujours prétendu avoir mis fin à la guerre. Elles ont récolté les lauriers. On entend du bruit bizarre quand même. Quand il prend de l'avance. Quill, tu vas où comme ça ? Je voudrais pas passer à côté d'un truc. Tu cherches encore des cibles à éclater ? Jamais. Pour la prochaine mission, je ne souhaite pas faire partie de la Team Verte. Pareil. À 5, moi je pense qu'on peut pas faire que des casses. Non, c'est fini, les casses. Une réputation d'abord, et après on en reparle. Ouah ! Imagine que cette turbine s'allume. On se fait récraner. Bah pourvu que ça arrive pas. Il va falloir qu'on traverse ce machin. Zut, cette turbine est en plein dans le passage. On va aller là, j'imagine. Il va falloir traverser. Ça doit s'ouvrir pour laisser passer le gaz, c'est ça ? Ouais, tu cherches à dire que c'est nous le gaz ? Dans ce cas de figure, oui. Si on arrive à l'ouvrir. Allez ! Entre toi et moi. Il y a un tunnel d'accès des drones par là. Dommage qu'on ait pas de drones. Tu peux te glisser là-dedans. Oh, je le savais. Rocket, répare ce truc. Rocket, mets-toi ce bazar. Rocket, mets-toi dans ce trou bizarre. Tu vois quelque chose ? Ouais, des commandes manuelles. Team Rocket, on a eu un pépin. L'un de nos emplacements est couvert de résine. On redécolle pour poser le pulsateur autre part. Faites en sorte que le nouvel emplacement soit aussi près que possible que l'original. À cause des chiffres et des angles. J'aimerais bien pour utiliser mon arme. Tant pis. Qu'est-ce qui est plus crade que 10 Chitauri cloués à un vaisseau ? Super, encore une turbine. Ouais, c'est fabriqué comme ça en général. Et... je vois qu'on s'est entraîné. Allez, on s'arrache d'ici. Excellent. T'es sûr que je gagne pas ? On a retrouvé le chemin. Le vaisseau extracteur est par là. Tu crois que Groot a pris de l'avance sur nous ? Peut-être. J'espère qu'il s'est pas laissé distraire. Non ! C'était pas moi ! C'est toi, je te jure ! C'est toi, ça ! Mais si mon pantalon frappe pas ! Ça gagne pas ce truc avec des muscles dont j'avais même pas conscience ! Oh la vache ! Je t'ai dit que je les avais vus. Juste à temps. Comment vous avez... Contente de te voir aussi. Mais il va falloir traverser le vaisseau le plus vite possible. Beaucoup de mouvements dans les parages. Ouais, ça commence à être violent de notre côté. Essayez de nous le maintenir en place. Bientôt, ce sera même plus une option. Cette position est insoutenable. Attention à l'impact. Accrochez-vous. Allez, c'est bon, ça gère. As-tu succombé, Peter Quill ? Non. Il y a trop de débris. Je vais positionner le vaisseau ailleurs. C'est bon. Supernova. C'est une panne ? Wow. Oh, une surcharge, j'ai l'impression. Il doit lui rester un peu d'énergie résiduelle. Allez, que sonnerie de soin de maîtrise. Ok, les systèmes vitaux se remettent en marche. Tu vois de ton côté. Ça merde, la reine des bagons cosmiques. Wow.
C'est long. Ah ouais. Ouais bon, ça craint du boudin. C'était quoi ce truc? Je dirais un essaim de vieux bottes de ménage. C'est possible. Des vieux bottes de ménage. J'en sais, moi. Wow. C'est good. Je t'appelle Groot. Ça va, mon pote? Excellent. Elle met dans une boîte quelque chose. Il le laisse. Désolé pour les coups de feu. J'ai cru que t'étais cette cochonnerie qu'on a libérée par accident. Oui, on a vu des bottes d'entretien. Par accident, à distance. Récupérer des choses ici. Tout va bien. Ce truc s'est enfui dès qu'il nous a vu. Hein, Quid? Rocket. Je suis pas trop sûr que cet essaim était inoffensif. Je me sens un peu coupable de l'avoir libéré. Je s'appelle Groot. Oui, il a désingué un nid de vermine qui est un mouse. Ça a fait tomber un machin. Il y a ce gros truc flottant qui en est sorti. C'est voilà, bon. C'est tout. Allez, on a trouvé un truc sympa. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors. En tout cas, c'est Groot, trop, t'as trop bien. Pas eu trop d'ennuis pour rejoindre l'appareil? Je s'appelle. Ah, tant mieux. Je me faisais du souci pour toi. Alors, récupérer un maximum de choses. Si on peut après améliorer le perso. Quand on était plus en hauteur. Je s'appelle Groot. Quelle mission d'Arago? Je s'appelle Groot. Ah, Quill est assez demeuré pour nous conduire dans un piège, mais t'inquiète, personne sait qu'on est ici. Ok, non bah en fait... Et voilà, les coordonnées de rendez-vous sont par là, mais on devra trouver un moyen de contourner les décombres. Je vais essayer de trouver une alternative. Oh, la jolie pièce que voilà. Je s'appelle Groot. Une table. C'est un établi d'époque. Mais voilà. La série T, ingénieur. On n'en fait plus, des robustes comme ça. Hé, viens voir, Quill. On va voir si cette vieillerie marche encore. Je peux peut-être bricoler ton matos. Tiens, passe-moi ce bout-là. Excellent. Alors. Vous avez assez de composants pour fabriquer cette amélioration, maintenant. Une seconde. Recharge rapide. Quand le tir doublé, quand la santé passe sous la barre des 25. Je s'appelle Groot. Et Quill ! Il y a Groot qui dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière la grosse unité, là ! Appuyez deux fois sur... pour charger le tir. Relâchez pour libérer un tir. Attire les objets lâchés par l'ennemi. Je m'en charge et voilà. Yes, c'est prêt. Et voilà.
Appuyez deux fois sur R2 et maintenez pour... Ok. Je s'appelle Groot. Ouais, on pourra passer si je fais dégager tout ce bazar. Allô, vous êtes en train de garer le Milano en lieu sûr ? Mais c'est sûr, alors ! Tire avec ma nouvelle fonction rapide pour pas que ça régénère ! Vous sentez pas comme une atmosphère bizarre ? Mieux pour être. Entrez parfois ? Bah, tu sais. Ah, ok, d'accord. Trouve le bon timing pour surcharger le fluide de refroidissement. C'est un vieux vaisseau, c'est tout. Ok, excellent. Et bam, ça défonce. Et merci pour l'amélioration. Ok, y a plus qu'à se frayer un chemin. Et donc, ce machin qu'on a quel libéré... Quel machin? J'ai pas vu de machin, moi. T'as vu un machin, toi? Y a pas de machin. Après, je pense qu'on tardera pas d'arrêter. Ça a l'air un peu bancal. Attendez, avant. Oups. Ah, on arrête pas de croiser des trucs moches. Ah, je suis pas tout seul en bas. Ça va falloir qu'il est rouge. Oh la vache. C'est du chaos qui est inventé pour se prendre des mandales. Sayonara, patate spatiale. Team Rocket ? Ah, enfin. On vous entendait plus. Il y a quelque chose dans ce vaisseau extracteur qui bloque nos échanges. Hey, y a un truc qui tourne pas rond ici, et puis Queen est encore tombé dans un trou ! Quoi, encore ? Je stationne le Milano, mais Drax est déjà parti à votre recherche. Vous trouverez peut-être Quill avant nous. On essaie de le rattraper. Dites, on a vraiment des progrès à faire, niveau camaraderie. Ce n'est pas ma camarade. Je te trouverai, Peter Quill. Décris tes environs. Ah, du vieux métal, du vieux matériel de minage, du vieux... Je note. Je me demande si Rocket sait ce que c'est. Alors, votre chance tourne ? Ce n'est pas une question de chance. Peter, fais du bruit pour qu'il puisse te trouver. Drax ! Drax ! Hé ! Hey ! Il veut pas couper son micro avant de beugler comme un abruti ! Ah non, y a... Trop bizarre, les trucs qu'ils ont minés. C'était quoi ? Je sais pas, des cubes tout bizarres en pierre ou en métal. Alors, où doit-on aller ? Peut-être ici. Non. Pas une Peter porte. Quill, j'ai localisé de vieux équipements, mais je ne te vois pas. Les vieux équipements, c'est pas ce qui manque. Ça n'affine pas ma recherche. Ah, ok. Feu. Très bien. Oups. Oups. Ça recommence. Tue-le ! Tu lis dans mes pensées. Je refuse de mourir. J'ai à peine égratigné. Vite le plus fort. Je veux plus aussi fort que je veux. La jauge de chancelle se situe dans la santé. En la remplissant entièrement, vous la neutralisez momentanément. C'est comme si mes tirs lui faisaient des guilis. Si quelqu'un pouvait prendre la relève. Oui, cache-toi derrière moi, je te protégerai.
Ah, ok. Excellent. Notre victoire est certaine. Drax, Peter, on vous a tout. J'entends des blasters. Tout à fait. Gardez-moi un peu. Non, là, tu vas y servir. D'accord. Belle brochette. Excellent. Bon bah la team est au complet. Vous avez trouvé Quill ? Trouvé et sauvé. Hey. Bah alors allez-y, on vous rattrape, le temps de faire un arrêt au stand. J'ai posé le Milano près du dernier emplacement du pulsateur. On y va en espérant te croiser en chemin. Comment va mon bébé ? Tu verras par toi-même, si on arrive à y retourner. Moi, je peux aller là-haut, mais vous deux, vous aurez besoin de quelque chose pour monter. C'est étonnant que l'assassin acrobate ne nous ait pas encore abandonnés. Drax. Au moins, il a dit acrobate. Ce n'était en aucun cas un compliment. Voilà, parfait. Ce gros bébé devrait être notre ticket pour monter. C'est envisageable. Faut peut-être essayer autre chose. Si on arrive à le faire descendre, ça devrait nous suffire pour compenser la hauteur. Le bloc est maintenu en place par la grue. On pourrait le dégager, s'il n'était pas inactif. Montre-nous comment tu te débrouilles, Gamora. Je vous défie de faire ça. C'est physiquement impossible. Non. Drax peut... Ah, d'accord. Bon. Eh ben, on progresse, mine de rien. Drax, tu pourrais déplacer ce conteneur ? Admirez la force d'un guerrier cathacien. Voilà qui est utile. J'ai suivi l'ordre de notre chef. Toi, tu aurais encore désobéi. Bon, décide-toi. Tu m'en veux d'avoir servi Thanos ou d'avoir trahi. Les deux m'inspirent la méfiance. J'ai besoin d'aide pour déplacer ça, Drax. Ne te laisse pas gagner par l'hésitation. Je m'en occupe. Il portait ça comme c'était du polystyrène. Ok, donc j'imagine que là. Souviens-toi de ce moment lorsque tu essaieras de me piéger, assassin. Voilà. C'est bon, Rocket. On est en route. Hein ? Ah ! Oh, bah oui, très bien, très bien. Je m'appelle Groot. Je vole pas si c'est abandonné. Oh, oh ça perd les popettes. Ok. Je m'appelle Groot. Oh, maintenant, Quill. Très bien. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, les amis. On reprendra dans la prochaine. En tout cas, on a un petit peu avancé. Ah, il y a quelque chose là-bas. Comment on fait ? Je crois qu'il faudrait utiliser les pouvoirs de notre ami pour monter. Très bien, bon, on arrête là et on continue dans la prochaine vidéo, les amis. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.